Et bienvenue dans un nouveau vlog, un vlog qui va être plein de rebondissements, j'espère. Là, je suis censée être chez Imen dans 3 minutes. Je serai pas chez Imen dans 3 minutes. Bienvenue dans de nouvelles aventures. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter les principaux protagonistes de ce vlog. Pour commencer, nous avons Ivana. C'est le clown du groupe. Et elle est toujours là pour trouver des conneries à faire. Elle est aussi un petit peu folle, mais bon, on l'aime bien. Je suis pas du tout. Et puis elle aime mordre les gens. La preuve. Ensuite, nous avons Oriane. C'est la maman du groupe. Elle arrive à réguler nos conneries. Elle est timide au premier abord, mais ensuite elle est complètement tarée. Elle arrive même à vomir de rire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Après, il y a Imen. C'est la cuisinière du groupe. Elle arrive toujours à nous concocter de bons petits plats. Elle fait genre qu'elle est responsable, mais elle est irresponsable. Mais bon, on dira rien. Et puis c'est une fausse zen. Elle fait genre que tout va bien alors qu'elle perd ses cheveux tellement qu'elle stresse. Et pour finir, il y a moi. L'influenceuse apparemment. Celle qui passe son temps à tout prendre en photo et en vidéo pour garder des souvenirs. Enfin voilà, c'est nous. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, mais on s'ennuie jamais. C'est la guerre. Non. Ah vas-y. Fais gaffe, Ivana, on voit ta glotte. On a fini la sieste, donc on prend le café. Merci Imen de faire la musique derrière, ça, j'aurais pas besoin d'en mettre comme ça. Allez. So have you got the good? Heureusement que t'es là. C'est l'heure du petit déjeuner. Et non, je rigole. On s'est fait arnaquer, on a fait. Je me suis fait arnaquer. Regardez la vue comme elle est belle. Oh, Saturday sun. I met someone out on the west coast. Gotta get back, I can't let this go. Saturday sun. I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost.
ask her what's going on. Are we going strong? She felt like resting her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? 'Cause I've been undone. Long drive, coastline, looking at a first light. Il y a un feu d'artifice au fond de la plage. Du coup, on court pour aller voir le feu. Il va être quoi le vlog? Chaotique? Chaotique. Chaotique. Bonjour les copains, on est dimanche et aujourd'hui j'ai très mal au cœur. Donc on commence un peu à s'inquiéter. Ça fait 76 là, il... C'est beaucoup? Je sais non. Pas. Il est midi, on n'a rien foutu, on est en pyjama. Alors, ressenti. C'était trop bien. Je voulais te parler. Et là, il y a tout. Oh non. On dirait une baleine de chouette. On vient de passer une heure à danser au milieu de vieux. Danser, là. On n'a pas besoin d'aller en boîte parce que du coup on a fait l'animation du truc. Vous êtes vraiment les deux mamans du groupe, hein. Le 30 août. On est le 29. Et Barcarès est mort. Ma jupe vient de chez Stradivarius. Le haut. Le haut, il est à Ivana, il est chez Zara. La veste, elle est à Imen, elle vient de Stradivarius. En fait, il n'y a que la jupe qui est à moi. Et les converses, elles sont à ma soeur et moi. La veste, c'est pas la mienne. HN. La robe. Je sais plus, ouais, peut-être. Ah merde. Ma robe vient de chez Bershka.
Le gilet vient de chez H&M. Mon pantalon c'est Stradivarius, le blazer c'est Stradivarius, le haut je crois que c'est Kiabi, et Zara, le sac. Là on s'est fait toute fraîche et tout et on part au resto. Il faut se regarder. À partir de là, c'est la débandade. Mais genre vraiment. Vous voyez le cocktail que je tiens dans mes mains là? Bah il a fini sur les chaussures d'Oriane à cause d'un coup de vent. Ensuite il a commencé à pleuvoir, alors on a dû changer de table pour aller à l'intérieur. Arrivé à l'intérieur, il a commencé à avoir un orage et plein de pluie. Sauf qu'on était à côté d'une fenêtre. Mais mettez-vous proche. Fais genre tu lui fais un bisou sur la joue, tu sais. Ça va, on me dérange pas trop. Je tiens à préciser que je ne suis pas en couple avec Ivan. Et là, je pense que c'est le moment le plus chaotique de notre soirée, puisque Oriane est allée vomir de rire tout son repas dans les toilettes du restaurant. Du coup, en tant que super copine, je suis allée lui tenir les cheveux. Alors, cette soirée en un mot, tellement chaotique. Non mais elle a pas trop vomi en soi. Enfin je sais pas, moi j'ai pas vu hein. Sinon j'allais vomir aussi. Enfin bon, après cette sortie au restaurant vraiment chaotique, on est tout allé dormir pour reprendre des forces. On fait vraiment comme des riches, mais c'est pas grave, l'argent ça va et ça revient. J'aime d'avoir mes petites bourses. Ouais. Petite, c'est un demi-smic. Touriste time du jour, ça fait même pas qu'on est une heure à la plage, on a dû partir parce qu'il y avait un mec qui était en train de se branler devant nous. C'est vraiment c'est dégueulasse. Du coup, on est allé prévenir les maîtres nageurs pour pas que ça se reproduise sur d'autres personnes. On rentre à l'appartement et après, on va aller acheter du papier toilette parce qu'on a un souci de papier toilette. On a qu'un rouleau pour encore 4 jours. Quelle ville de merde. Il n'y a pas de PQ. T'as un mec qui est en train de se branler sur la plage. Et en plus, il fait pas beau. T'as le droit de lâcher les nerfs si tu veux. Vas-y, pleure. Bon, alors là, il n'y a pas tout qui est compréhensible, mais en fait, on est allé au casino à côté de l'appartement et il se trouve qu'il était fermé. Du coup, on n'a pas pu acheter de papier toilette, donc on a dû prendre le bus pour aller au Super U un peu plus loin pour pouvoir acheter notre papier toilette. Vraiment une galère pour faire les courses parce que le bus, il a eu trop de retard. Genre, il a mis 20 minutes de retard. Du coup, on a failli rentrer en trottinette électrique.
mais ça allait faire cher le retour. Quand on est rentré des courses, on a fait croire à Imen et Ivana que le magasin était fermé et qu'on n'avait pas de papier toilette. Mais non, il n'y a plus de PQ. Même, on n'a pas d'accident non plus. Mais non, le magasin était fermé, du coup, il n'y a rien du tout. Déjà, on a eu le bus en retard pour y aller. Qui présente mon futur bébé. Ça va être Grégory pour ceux qui ont la À partir du là, il manque un petit bout de vlog parce que la soirée s'est pas super bien passée. Ça s'est fini en pleurs et crises d'angoisse, donc bon, c'est pas des moments fun. Et bon, après avoir tout discuté jusqu'à 3h, tout s'est bien terminé. On va voir Harry Styles en concert. On va voir Harry Styles. On va voir Harry. Motivé à faire du paddle. Là, je suis trop belle, vraiment. Je me trouve trop belle. Ouais, mais vous, parce que je suis belle, c'est ça? T'es belle tout le temps, de toute manière. On dirait j'ai une bouche, genre, tu sais, les bouches. De pute? Oui, totalement. On a fait l'ouverture de la boîte, on a été les premiers clients, alors qu'on est arrivé à 23h30. Et on prend plus, on était de la boîte. Voilà, on fait un quart de la boîte, littéralement. Mais qui nous a envoyé? Alors, parlons café. Ça fait 20 minutes, un quart d'heure qu'on est dans la boîte. Il y a genre personne n'a pas qui s'en rentrer. Nous on s'est posé, du coup on sait pas quoi faire. En gros, il y a plus de gens qui travaillent ici que de personnes qui sont pour la boîte. On n'est même pas une classe dans la boîte. Je garde le sourire, mais au fond de moi je suis bien dégueu. Moi j'ai envie de dormir. Pas une ambiance qui va me faire tenir debout toute la nuit, quoi. Même la nuit. Mais moche pour toi, c'est pas forcément moche pour elle. Pauvertine. C'est que là. Auréane, elle est bourrée. Elle a bu une bière. Elle a fallu une bière. C'est pas drôle. Alors, c'est une expérience unique. Non, mais c'est parti.
Mais des fois, est-ce que j'ai une crotte de nez? Non, t'as pas de crotte. Tout va bien. T'as les naseaux bien clean. There's nothing to lose.